Eh ben merci Révi pour le follow. Le centième, let's go! Allez, hein. Je pars en stream, Skelly, salut! Il répondra jamais. Allez, mon bonheur, IRP. Le centième, let's go, Révi, GG. GG, mais attends, mais en plus, t'es sub, mais t'étais pas follow! C'est ça qui est bon. Mon FFM, c'est à crash là, ou comment ça se passe? Moi, je cherche mon FFM. C'est vrai, je vais être en retard à la réunion. Ce qui n'est pas une chose souhaitable. Hop. Oh là là, il y a du PQ ici, regardez. Hop, disparu. Personne ne l'a vu. Heureusement qu'on n'est pas à 100 000 sur le stream. C'est une estimation. Hop, on va se mettre sur le jeu. Ah, j'ai pas la cam. Hop. F. Pif, paf, pouf. Par contre, j'ai toujours pas le son des notifs de follow. Je sais pas pourquoi. Je pensais l'avoir, mais. Mais apparemment, non. Donc, je sais pas. Follower. Et de la police. Et audio. Ah, aucun. Mais... Oui, mais non. Bon, c'est pas grave. On était que ça. Hop. Ah, mais j'ai gardé. Ah, ça demande. C'est toujours la classique. Qu'est-ce que tu fais, Kain? Je les ai snobés. Pourquoi tu sortes avec Anne? T'as prévu de bouger ou? Non, mais elle a changé de couleur dans le garage. Je réitère ma question, pourquoi tu sortes avec Anne? Je voulais la... J'aime bien, elle est belle. Ouais, c'est vrai que bonsoir bébé. Messieurs, pardon. Salut bébé. Par contre, ouais, y a vraiment un... Ouais. Je pense que, tu sais, c'est les... Ouais, c'était les reflets de la lumière. Je pense que la lumière, c'était pas bien sec et ça a dû couler, du coup. Je suis sûr que t'as pourri le garage. Bah, je sais pas, non, ça avait l'air d'aller, mais... Bon. Mais ouais. Je prends un petit soda, s'ils ont dormi. Bah oui, si vous avez une petite soif, vous avez la machine à soda sur le côté, ça vous fait un petit peu de sucre, sinon, bon, y a... J'espère qu'ils vont pas trop traîner, les Yuga ils traînent un peu donc. Ah, ça fait du bien. Et voilà, ils sont officiellement en retard. Bon, j'ai demandé un rendez-vous au gouvernement, j'ai toujours pas de nouvelles. Et bon, on n'est pas pressé. Voilà. Non, mais si demain j'ai pas de rendez-vous, je vais relancer une demande de rendez-vous. Ouais, ça va. C'est pour aller les couilles sur nos impôts, au bout d'un moment, il y en a marre. Comme tu dis, ouais. Toutes les lecteurs sont dehors, ça craint. On va peut-être leur devoir leur filer une moelle. Putain, faut que je fasse le point avec les bécanes qu'on a nous ici, qu'on a besoin. Encore une XR dans le... Ah, il y a encore une XR. Vous pouvez la sortir, parce que je pense qu'ils vont arriver à 3 dans le Yuga, donc au moins ils auront les 3 une bécane pour repartir. Et pas la place si vous voulez vous garer... Non, mais autant qu'elle reste dehors, on avait laissé un prospect dehors, de toute façon, il a pas à être dedans pendant la réunion. Bon. Bah, surveillez vos caisses. Bon, bah, mon manteau, par là. Salut Sergei. Ça va? Ah ouais, là, c'est à quoi? C'est la Schlacher celle-là, non? Elle est à qui celle-là? Ouais. Elle. Non, réellement? Oui.
Je vais mourir. Tu vois la couleur que t'avais ? Je vais me suicider. Bah quoi ? C'est la bobeur que tu veux. C'est la mienne avec la couleur que je voulais mettre. Mais non, toi tu veux la bobeur. C'est la bobeur. Ouais, c'est la même avec la couleur que je voulais mettre. Bah non, ça c'est le chopper. C'est pas la même du coup. C'est pas la même. Ouais, mais c'est la même, il y avait la même couleur, c'est la même. Bah non, ça c'est le chopper. C'est pas la couleur définitive. Oui, en plus. Oui, c'est ça, c'est une chopper. Ah, ouais, parce que lui, toi tu veux une bobeur. Ouais, mais c'est la même. Bah c'est la couleur que vous avez. C'est pas pareil. Non, non, non. Mais non, mais on n'a pas de couleur définie du coup, on laisse libre pour les couleurs. Ça sera plus simple. D'accord, ok. Pas trop l'exotique. Si j'en bombeur. Ça va la moto. Genre champion. VP, pour le dos, ça va. Bling bling, non. Ouais, VP, vous avez pas mal au dos là-dessus, là. Ça colle avec. Quel dos, celle-là. Ça colle avec Kyle. Quoi ? Tout dans le bling bling. Bah, c'est toujours mieux que le vert. Ouais, je suis pas sûr. Vert, tu le trouves où ton chapeau, toi ? C'est Raz qui me l'a donné. Dos, ah oui, d'accord. C'est comment avec cette moto ? Quoi ? Bah, non, je suis. C'est. T'as fait des dreads ? Non, je m'attache les cheveux. Ah, c'est nouveau. On parle pas des tresses africaines. J'ai pas le choix. Arrêtez avec ça. C'est ce sujet, on en parle pas. Arrêtez. Moi j'ai rien dit, j'ai rien dit. Choix. J'ai rien dit. On en parle pas. Encore si, je peux les détacher si vous voulez, mais bon. Non, on a allez-y, vu, allez-y pour voir. Et hop. Bah. Ah oui, non, rattaché, ouais. Non, rattaché. C'est pas mal les tresses latino. Paris latino. Voilà. Bon, et le yoga, il a craché ou comment ça se passe là ? Ça s'appelle Willy Denze. Bon, au lieu de leur filer des manteaux, offrez-leur des montres. Le pauvre vieux pote, ah, oui, Willy ça Denze. Fait peut-être pas trop mal leur faire offrir des montres. Ça fait deux fois qu'ils sont à la bourre quand même. Au bout d'un moment, il y en a marre. Certes, on fait ça chez nous. Il est jamais dans le nord. Il se trouve, il se paume sur l'autoroute à chaque fois. Hein. Mais non, mais Jeff, il a réussi à venir tout seul, venir chercher le yoga sans même nous appeler. Il est venu prendre le yoga, il nous fait je vais chercher le sud. Qui est au courant que Jeff prenait le yoga ? Personne. Voilà, donc déjà, lui, il va prendre un tir. Il est prêt à tirer aussi parce que tu te rappelles que tu l'as roulé sur un putain de giga de rodoir. C'est Jeff qui a pris le yoga ? Ouais, sans nous demander. Ah, c'est Jeff qui a failli me percuter à 200 mètres du MC. Ok. Je croyais que c'était toi, Reynaldo, c'est pour ça que tu m'avais appelé en forêt. Non, mais je te laisse t'en charger, Reynaldo, c'est ton taf. Hein. Il va prendre 200 baffes lui à la gueule. Je pourrais lui en mettre une parce qu'il a vraiment failli m'écraser. Genre, tu te démerdes avec Reynaldo. Tu te démerdes avec Reynaldo. On est de bonne claque. Reynaldo estime que t'as le droit de lui en mettre une. Une bonne claque, hein. Tu vas donner une bonne claque, moi une sur la gauche et moi toi sur la droite. Hop. Allez. C'est ça que joue. On va lui faire. Parce qu'il faut pas oublier presque aussi que derrière, quand il est reparti avec le yoga, il a. Oui, oui, il a arraché le yoga en partant là sur le trottoir. Après un trottoir. Brian, je peux te confier la tâche de garder les motos dehors ? Tu peux pas, tiens, je confie ce boulot de moi. Super. Bon, et c'est vrai, papy, là, t'as pas trop mal au dos avec ça ? Ça va, c'est assez confortable ? Non, moi, c'est parfait comme bécane. C'est exactement ce que je voulais. Elle est agréable à conduire, elle a une bonne reprise. Moi, je trouve qu'elle est bien. Je l'ai pas encore poussée, je suis en rodage encore. Mec, c'est pas, pas les bras très hauts, quoi. Ouais, bon, après, c'est sûr que je traverserai pas les États-Unis avec. Ça, c'est certain. Qu'est-ce que c'est ? Ouais, toujours plus vite, ouais. Bonsoir. Chez Miguel, attention. Ouais, y'a pas de soucis. Non, c'est bon. Ah, c'est bon. Miguel triple claque, c'est ça, non ? T'as dit quoi ? Ouais, t'as combien de personnes dans le yoga, là ? Il est où, Jeffrey ? Il est où, Jeff ? Ah, voilà. Il est où, Jeff ? Bonsoir. Bonsoir, VP. Bonsoir. On vous a sorti deux hexeurs, vous pourrez partir avec monsieur tout seul. Trois. Comme ça, vous aurez une petite bécane. Avec les trois, avec tous les autres qui dorment à l'hôtel. Compté. Ah ouais, ok. Bon, mais au moins, vous pourrez partir avec, vous aurez un petit peu d'avance. Ouais. Ah, pour super, merci. Il y a eu un petit barrage sur la route, il y a eu un accident. Ah. C'est normal, ça arrive, ça arrive. Aïe. Espèce de trou du cul. Attendez. Venez, suivez-moi. Yo, Brian. Bonsoir, VP. Yo, Brian. Je sais pas. Il faut qu'il range une hexeur, du coup, ils en ont pas besoin de trois. On est d'accord, on leur file les vertes. Bah ouais. Ah, c'est moi, c'est moi. Where is Brian? Where is Brian? Brian is in the kitchen? Attends. Oh, bonsoir, comment tu vas? Très bien, et toi? Oh, je vais avoir un accident, je suis encore un petit peu sous choc. Bah ouais, je vois ça. À cause de quoi?
Grave d'espoir. Moi, je suis arrivé qui me rentrait dedans comme un connard. Oh putain. Ouais, on vient d'avoir. On vient de se choper un petit barrage sur l'autoroute. Il y a eu un accident encore. Ok, ok. Moi, c'était shérif civil. C'était pas un shérif en fonction. Ah, ouais. Rentré chez lui, trop pressé, tu sais. Bah, comme quoi, tu vois, ils sont aussi cons en civil qu'en fonction. Ouais, ouais. Ouais, il est là. Le temps qu'on est dehors, est-ce que tu peux ranger la X-Armor, s'il te plaît, on va la garder. Ils ont besoin que bonsoir, de bonsoir, ça va. Ça va très bien. Et après, on attend, je te laisse garder. Ouais, je viens d'avoir un accident, mais ça va. À la moindre info, tu surveilles autour de toi. Non, non, t'en ranges que la noire, celle-là. Je suis en train de chauffer encore, donc c'est pas. Merci à toi. Tu vois, juste avant la table, c'est pas super, super. Ouais, non, c'est je suis sur le temps de l'autre. Bon, ouais, c'est ça, va, ça va faire quoi que ce soit pour toi. Ça va, ça va. Ben, vous allez un petit peu me raconter votre semaine. Ça va me faire. Oui, ça marche. Il y aura beaucoup à dire sur cette table. Bah, pareil. Voilà, je vais pas faire beaucoup, moi, le point. C'est le meilleur moment de la semaine. Je vais vous laisser parler plus et écouter. De toute manière, ouais, ça marche. Quand on a des bonnes et des mauvaises balles. Si vous avez besoin d'aide. Oui, oui, vous inquiétez pas. N'hésite pas à exposer les bonnes et puis les mauvaises. J'ai un c'est peu de mal à démarrer parce que. Et c'est un crash. Un crash de FIVM. On y retourne. Oh non, ça va être dégueulasse. Okay, putain de merde. Merci. Je te jure, j'ai la nausée à cause de toi, Jeff. Téléphone. Est-ce que j'ai tout le monde? Ouais, il y a le presse à l'intérieur déjà. Super. On attend que VIP passe et ensuite on commencera à rentrer. Ouais, bah. Oh putain, j'ai l'odeur qui part pas de mes narines. Ouais, moi non plus, ça m'a plutôt. T'as pas un truc à la menthe, mais... Ron? Plus et pas, merde. Il pue pas tant que ça, mes pieds. Ah si, t'as la mise confit, Jeff, arrête. Tu veux vérifier? Tu veux vérifier? Non, mais pas besoin de vérifier, je suis au courant. Ouais, c'est bizarre ça. Pendant mon sommeil, t'as dû faire des trucs bizarres, président. J'ai un peu peur. Ah, mais non, c'est entre un anus confit et un anus voyoché, si tu veux, mon avis. Ouais, un anus pas lavé, surtout, je pense. Ou mal lavé. Pas lavé, moi je suis un mec sale. Je me lave tous les jours dans le lac. Sur les anus, là. Ouais, dans le lac, c'est mieux. C'est pour ça que ça sent un peu le flétan. Au moment d'entrecouille, ils sont hyper bons. Tid, moi j'ai l'entrecouille qui sent. Tid, viens vers moi, s'il te plaît. Ouais, c'est le troisième. J'en ai qu'une déjà. Ah, il m'a perdu une dans le lac. Ouais, ouais. C'est toi qu'on avait perdu une, non? Parfait. Ouais, si, ouais, dans le désert. J'ai dû la donner à manger à mon chat. La table, là, garde sur toi pour l'instant, personne ne va te piquer ici. Tu peux essayer de faire avec. T'as un Kyle. J'ai toi. Ça, ça. Ouais, ça, Yon. C'est l'habitude. Ouais, toi. Il a l'air moins bon, mon beurre. Ça va, tranquille. Bon, ça se passe dans le sud, doucement. T'as pu avoir l'agent IMO? Non, toujours pas. Ça fait 3 jours que. Enfin, ça fait 3 jours. Pour les appeler au moins 20 fois ce soir. Tant que si je le vois avant toi, je lui dirai que tu. Ouais. De toute façon, on va vous discuter de pas mal de choses à la putain, table. Je comprends rien. Parfait, ça clignote. Par rapport à tout ça. Parfait, parfait. Vous mettez une pièce, Jeff. Si je me fais une petite partie. Ouais, profitez, messieurs. Vous avez le billard derrière pour ceux qui souhaitent aussi. Ouais, on n'a pas le temps pour un billard, je pense. Ouais. Tu joues à quoi, toi? Oops Fighter, c'est la sympa. On va t'attendre, VP, tranquille. Il y a Franck qui joue à son jeu préféré, la Penetrator. Ouais, je rigolais. Ah, déçu. Requinqué. Ça va mieux. Eh
bah, il y a presque qui nous attend à l'intérieur. Ouais. Vas-y, vas-y. Allez, c'est parti. La petite souris du MC. Allez, on y va, la petite souris du MC. Allez-y. Oh putain. Bébé. Il est où, Brian? Dehors. Il est dehors, Sid. Il est pas dehors, non, il est pas là-bas, ouais. Ah, bah, comment ça? Laisse, je gère ça. Laisse. Attendez, je sors, merci. Y a pas Brian. Je m'en occupe. Allez. Okay. Où est Brian? Probablement. Oui, je comptais sur toi pour si j'oubliais des choses ou des choses comme ça. Pas de soucis. Parce que là, j'ai l'esprit un peu vide. Je te cache dans pas. À la cuisine. Si tout le monde peut parler bien fort, ce serait gentil. Merci. Je pense que ça on va laisser parler. Ah, oui. Messi, il était là, pas trop là. Ouais, c'est ce que mais j'ai Messi. Oh non, y'a rien à le dire. Ça peut être un peu de long. On attend qui, messieurs? Personne, y'a tout le monde. Oh, tout le monde est là, c'est très bien. Du moins pour le chapitre nord, tout le monde est là. Chapitre sud aussi. Oh, oui. Parfait. D'accord. Si on commençait par les cotisations comme ça, on est directement dans le vif du sujet. Est-ce que tout le monde a réussi à réunir la somme? Affirmatif. Bon, ça, c'est une très bonne nouvelle. Maintenant, est-ce que vous avez rencontré des problèmes personnellement, chacun des chapteurs là? Quelqu'un veut commencer? Nous, aucun problème pour le Nord. On a mis un sacré coup de collier, on est tranquille, on a même pu payer les motos à des membres du club, donc pas de problème. D'accord, vous gardez les bonnes nouvelles pour la fin, comme ça je ne vais pas partir fâché. Tu veux vouloir dire quelque chose, Walter? Tu m'as dit que tu avais mauvaises nouvelles. La mauvaise nouvelle, c'est que, de toute façon, vous le voyez dès à présent, on n'est pas beaucoup, hein. Je vais pas vous le cacher qu'en ce moment c'est très compliqué dans le sud. Dans le sud, faut partir d'un principe. C'est que peu importe ce qu'on fait, au bout de 2 secondes, on a 2 voitures de flics sur notre pomme. Alors déjà qu'on n'est pas beaucoup, déjà que les flics connaissent très bien la ville, on essaye de s'adapter. C'est vraiment une putain de galère. Alors on en a chié pour avoir cette cotisation. Je suis pas là pour vendre nos mérites. Mais voilà, nous on a des problèmes, c'est qu'on n'est pas assez. On a un secrétaire qui se réveille 5 minutes, 10 minutes, et qui va se retourner se coucher s'il s'est pas levé de bonne humeur. On a un chambellan, alors lui, si on le voit, dès que les as sont alignés, et puis voilà, après, il nous manque des prospects. Hein. Ah, le problème, c'est que j'aimerais bien passer Jeff et Aaron un peu plus haut, mais tant qu'on n'a pas de quoi assurer les arrières, ça vaut pas la peine, quoi. D'accord. Et le secrétaire, où est-ce qu'il est? Oh bah alors là, très bonne question. D'accord. On n'a plus de nouvelles de lui. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire de plus? Moi, je me suis fait opérer de la jambe hier. J'ai des plaques en métal et des vis. Parce que je me suis cassé la jambe assez fortement. Je vais vous éviter les détails, mais j'avais un os qui sortait et tout le tralala. Voilà, donc je vais avoir besoin d'un peu de repos de mon côté. Sinon, à part ça, je suis recherché activement par les forces de l'ordre, l'SPU, je sais pas quoi, du Sud. D'accord. Parce que je leur dois environ un peu plus de 8 000 $. Et que c'était soit les cotisations, soit la prison. D'accord, ok, je vois. J'ai préféré les cotisations, hein, forcément. D'accord, et c'est pourquoi que tu es recherché comme ça? Parce que tu n'as pas payé? Récidive sur certaines actions. Conduite dangereuse. Sur outrage à... Non, c'est pas outrage, je dis de la merde. Enfin, c'est quoi qui m'avait dit l'autre? Oh, bref, c'est des trucs, tu vois, assez bénins. Mais bon, c'est assez répétitif, quoi. Du coup, ils me font la gueule. Et du coup, je suis recherché. D'accord. Ok, c'est quoi? C'est avec le SPD ou le shérif que tu as le problème? Bah je sais pas, c'est toujours les shérifs qui me font chier, mais c'est toujours dans le sud. Oh, je sais pas si ça compte pour la LSPD. Bah, d'accord, je vais une fois me renseigner pour ça. Écoute, ça je vais... On va faire ça, on va essayer de se renseigner pour toi, on va faire peut-être diplomatie, d'accord? Ouais, c'est gentil, presse, merci.
Ce qui serait intéressant, alléger les peines, c'est peut-être bien. Vas-y, je te dis. Ce qui serait intéressant, c'est que ce soit le Sud, que vous fassiez une liste de ce qui vous manque. Et voir un petit peu si nous, de notre côté, en rencontrant d'autres personnes, si on peut vous fournir ce qui vous manque. Ouais, ça marche, je vous l'enverrai dès ce soir. Ouais, des problèmes que vous rencontrez, comme ça on peut voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire. Tu as un nom de police que tu as eu des problèmes avec? On peut directement s'adresser à la personne? Alors, pour être très honnête, c'est jamais les mêmes et c'est toujours des chiffres. Et j'ai une mémoire de poisson rouge pour ce genre de choses. Non. Ok, donc tu sais pas qui c'est qui t'a arrêté ou... Pas du tout. Ouais, c'est dommage ça. Ça aurait bien aidé pour... Mais bon, c'est pas grave, on va se débrouiller. On va essayer de rencontrer des gros poissons chez les polices, d'accord? Affirmatif. On va essayer de voir ce qui, si on peut soit supprimer ta peine, soit peut-être la diminuer. Voilà, ça pourrait être peut-être pas mal. Ouais, ça marche. Tu as noté, VP? C'est fait. Bon, super, mais tu as dit que tu avais des bonnes nouvelles aussi. C'est quoi une bonne nouvelle? Enfin, un peu liée ou mauvaise. Enfin, vous allez voir. En gros, vous n'êtes pas sans savoir pour certains qu'on a un entrepôt, qu'on a perdu le clubhouse dernièrement, enfin c'était il y a une semaine. Là, on a fait une demande au gouvernement pour bouger l'entrepôt, pour se mettre à un endroit plus sympa. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent un peu le sud parmi vous. Il y a un LS Custom proche de l'aéroport dans le sud. On va aller s'installer là-bas. Donc, la bonne nouvelle ça, avec ça, c'est qu'on pourra peut-être faire une demande pour récupérer le garage là-bas, quoi. Et pour en faire quelque chose. Ah oui, ça c'est intéressant. Voilà, voilà. Une petite façade légale, là, dans le sud-sud. Exactement. Il y a énormément de place pour mettre des garages, etc. Donc, franchement, on va être tranquille en bas. Donc voilà, on risque de déménager. De toute façon, on vous le dira en temps et en heure. On attend la réponse. Tu peux transmettre l'adresse si tu veux bien, d'accord? Tu donnes l'adresse, comme ça on peut aller voir un petit peu. Oui, ça marche. Et est-ce que vous avez rencontré des gens du gouvernement, enfin, ceux qui se disent travailler au gouvernement? Moi j'ai rencontré un secrétaire, Bobine. Mais bon, il avait l'air un petit peu... il avait pas la lumière à tous les étages, quoi. Donc un peu compliqué. Mais sinon, on a discuté avec un peu plus haut que le gouvernement, avec l'Assemblée, parce que là, c'est un peu compliqué pour nous, sinon. Gouvernement, aucune réponse, agence immobilière, aucune réponse. Voilà, on essaie de trouver des solutions parce que ça nous bloque. Voilà. Ok, ok. Et puis sinon, par rapport aux autres clubs, comment ça se passe les relations? Par rapport aux autres quoi? Les MC, les gangs, tout ça. Vous avez des bons points, des bonnes nouvelles ou on va dire des ennemis déjà ou comment c'est passé? Moi déjà, j'aimerais dire merci au Nord. Parce que mine de rien, votre boulot, ça retombe aussi au sud. Et il y a des gens qu'on n'a jamais croisés qui nous disent des... Ouais, les OD, on vous adore, vous êtes des chouettes types. Vous êtes super beaux. Tout ça, ah, tout ça. Ça ouais, ça fait vraiment plaisir. Ça dépend des questions. C'est un gros avec un bob? Non. C'est des gens de quartier, principalement. Ok, très bien. Bon, alors, je sais pas d'où vous les connaissez. C'est pas les NC, c'est un autre groupe. Okay. Mais bon, bref, ils vous kiffent. Et du coup, ça nous a permis de discuter un petit peu avec eux. Et franchement, c'est cool. Merci à vous, les gars. C'est normal. Parce qu'on n'est pas normal, nombreux, pas donc c'est un peu compliqué les relations. Aucun problème. Bon, c'est bonne nouvelle, parce que c'est ça, voir qu'on passe pour des gens bien propres et sans histoire. Donc ça, c'est très bon point pour moi. Ouais. J'ai une question qui fâche. Oui. Vous pensez être en place dans combien d'heures? C'est-à-dire? C'est-à-dire quand c'est que vous pensez être en place, groupe complet, dans combien de temps? Ouais, parce que là, j'allais dire en heure, ça va être un peu short. Moi, je vais nous laisser une semaine grand max. Parce que ça devient insupportable. Voilà. Et puis, il va falloir aussi... que je discute sérieusement avec le secrétaire et le chambellan parce que
Voilà. Bah, on va pas se cacher, ils prennent de la place. Et si c'est pour avoir... Le chaplain, bref. Pardon, excusez-moi. Il y a pas de mal, t'inquiète. Ouais, je suis un peu fatigué. Parce que le temps qu'il n'y a personne dans le sud, on perd du business à mort. J'en ai bien conscience. Mais faut pas qu'on perde du terrain dans le sud, c'est sûr qu'il faut qu'on soit là. Il y a d'autres groupes qui commencent à se forcir et on va se retrouver tellement petit que même les miettes, on n'en aura pas. Mais bon, je crois savoir que vous allez recevoir des gens comme nous. Ouais. Parce que de notre côté, on va vous mettre quelqu'un de confiance. Ah, c'est chouette. Et après, vous allez devoir faire aussi de votre côté un petit recrutement comme nous. Ouais. On va mettre ça en place. Voilà. Ouais, de toute façon, voilà. Après, il faut prendre aussi en compte que notre déménagement, c'est pas que pour faire joli. C'est nouveau business, c'est nouvel endroit. On va avoir un club, un beau garage. Oui, c'est vrai, c'est bien. Et il faut savoir que l'endroit où on va aller, c'est pas revendiqué. Du coup, on va revendiquer. Ouais, tu as raison, mais il faut faire ça. Voilà, parce qu'on va mettre final. Parce que là, l'endroit où on est actuellement, c'est revendiqué par deux voire trois groupes qui se font la guerre. Voilà, nous, on est un petit peu là en trop, quoi. Ouais, on n'a pas encore d'armes, c'est compliqué. Donc voilà, on va se mettre là-bas, on va revendiquer la zone très rapidement, on va gérer les recrutements très rapidement, on va se remettre sur les chapeaux de roue. Alors, s'ils veulent les poubelles, on les laisse les déchets, c'est pas grave. Petite question, comme nous, on a un petit peu de mal à écouler de la drogue ici sur Grapside. Il y a beaucoup de gens qui bossent, peu de gens qui se droguent. Et l'objectif, c'est clairement ça. Est-ce qu'on pourrait servir de chez vous pour peut-être réussir à dilapider un petit peu? Moi, j'ai un dicton qui dit ce qui m'appartient vous appartient. Vous êtes mes frères. Donc la question se pose même pas, vous venez quand vous voulez. Super, merci. Merci. On partagera peut-être un deuxième spot pour vous si c'est un petit peu chaud aussi. C'est au niveau de la jetée là qu'il y a. Vous savez, il y a une fête foraine. Ouais. On a pu commencer un petit peu à faire nos petites affaires là-bas et clairement, ça se passe bien. On n'a pas été trop emmerdé. Faut partir d'un principe que lorsqu'on va revendiquer la zone activement, Vous avez totalement le droit de venir quand vous voulez, vendre ce que vous voulez. Voilà. À partir du moment où ça fait vivre le club entier, ça permet de payer les cotisations nationaux et nous faire des contacts. De toute façon, on sait que vous êtes sérieux, donc pas de soucis. Très bien, c'est super. Super, merci. Bon, on a avoir demandé international, ça c'est une petite nouveauté. On a demandé international qui nous envoie un trésorier parce qu'on a avoir un petit projet. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on fait de vin. On a peut-être l'idée de reprendre le vignoble. On va voir si ça va passer. Mais vu qu'on a été traité de raciste par le gouvernement, les agents de gouvernement, on va essayer de faire passer le dossier un petit peu, tu vois. Un petit peu chantage, tu vois. Chantage émotionnel. Parce que sinon, on va peut-être attaquer le tribunal. Alors peut-être il veut pas les histoires. Et il fermer un petit peu les yeux, accélérer les étapes pour nous. On va voir ça. On n'a pas encore fini le dossier, mais on va essayer de faire quelque chose de propre. D'accord ? Comme ça, vous savoir aussi. Et comme ça, on aura vraiment une belle disponibilité sur la carte, parce que quand on voit, vous êtes vraiment au nord avec Yon. Toi, Walter, tu seras vraiment au sud, et nous, on sera vraiment centré avec les vignobles. Je t'écoute, Walter. Oui. Je tiens juste à dire un truc, parce que nous, comme je vous disais, on a croisé le secrétaire. Ah, ils nous ont pas la bonne, hein, le gouvernement. Parce qu'on a discuté avec lui, il nous a limite insulté de grands criminels, de je sais pas quoi, qu'on traînait dans plein d'histoires, qu'on était vraiment pas des gens fréquentables, ce genre de choses, et qu'il voulait à tout prix s'éloigner de nous. Mais c'est qui dit ça? Secrétaire du gouvernement. D'accord, ça on va rajouter au dossier, ça va être très vite réglé. Mais j'ai avoir besoin de vous, de celui qui a avoir entendu ça, si c'est toi Walter qui a avoir entendu ça, ouais, et Yon aussi. Ron. D'accord, ben Yon et Walter, on va vous prendre avec quand on va faire le petit... Non, d'accord, mais Yon, il a avoir eu des propos racistes à son encontre. Enfin, on les a traités de racistes, non. On s'est renseigné, point de vue de la loi, c'est pas normal. C'est vraiment même discriminatoire, ils peuvent pas faire ça avec nous. On est le citoyen avant tout, voilà. Mais ça, le VP peut en parler plus que moi. Qu'est-ce que tu veux, Aaron? Tu peux dire les lois, s'il te plaît, VP? Je leur dirai après. Je leur dirai. D'accord, ok, vas-y. Je voulais juste rajouter un truc par rapport au gars du gouvernement. Il a cité le nom de Yon, justement. Ah. Ça serait monsieur Samuel Wolf? Non,
Maximilien, je crois. Maximilien Wolf, merci, Yon. Donc, je sais pas si ceux du Sud sont au courant de l'histoire de Yon. Ça te dérange de la raconter, Yon? Non, il n'y a pas de problème. Mais j'ai pris un rendez-vous avec le secrétaire d'État au service public pour lui poser un dossier, de, comme je vous avais parlé, pour Buckstars, ou reprendre une entreprise qui était déjà existante dans le Nord. Et de suite, l'accueil a été déjà assez... comment je pourrais dire, c'est de l'amateurisme pour moi, parce que clairement, j'ai été accueilli, les mecs restaient plantés sous son téléphone devant moi. Ils étaient en train de s'insulter avec ce qui paraît être le secret de service. Et après, on monte, il m'a parlé comme quoi il aurait entendu de la part des Lost que nous étions des racistes. Ah bon. Donc, l'accueil était assez spécial. Donc, ils sont en bonne relation avec les Lost, c'est ça? Apparemment. Ouais, super. Ouais, mais bon, à partir de là, si le gouvernement, il écoute les dires, on n'avance jamais, quoi. Faut arrêter ça. Ça me fout un peu hors de moi, là, pardon, mais c'est vraiment de la connerie. C'est de la grosse connerie, et c'est pour ça que, presque, je vais vous laisser présenter votre idée que je trouvais très bonne. Par rapport à quoi? Excuse-moi, j'ai... L'opération coup de poing, ou si tout le club doit descendre et que on doit leur montrer qu'on existe, quoi. Non. Alors, c'est-à-dire que le jour où on va avoir... Yon, il va avoir pris rendez-vous avec le gouverneur, d'accord? Parce que je veux parler directement avec le gouverneur, j'ai pas besoin d'avoir les petits sous-fifres, quoi. Ça sert à rien, parce qu'après, il faut toujours monter. Je préfère directement m'adresser à Dieu plutôt qu'à ce sens. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller le voir avec Walter, Yon et le VP. Et on va aller, on sera quatre, mais en même temps, on a envie que tous les chapters des Nord et Sud, ils soient là à attendre devant le gouvernement. Avec les motos, mais je ne veux pas de débordement, je veux que ce soit propre. Je ne veux pas les exciter, d'accord? C'est pas le but. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Tout le monde sera à se tenir, parce que je suis presque sûr qu'on va avoir visite police. Et je ne veux pas les insultes, je veux qu'on soit propre, d'accord? On représente le MC national, vous allez représenter le national. Affirmatif. Voilà, et des citoyens propres et tout ça. Ah, en parlant de citoyens propres, il y a une autre petite chose que je veux, surtout que je ne veux pas, on va dire. C'est j'avoir vu beaucoup les MC et les gangs faire des tags partout, d'accord? De taguer, si vous voulez taguer seulement vos bâtiments, d'accord? On ne tague pas n'importe où, on n'est pas des... Voilà, d'accord? On est propre. On n'a pas besoin de se faire connaître par l'intermédiaire des tags, d'accord? Si on veut se faire connaître, on le fait de façon humaine, en montrant l'exemple, d'accord? Nous ne sommes pas des voyous. Nous ne sommes pas des voyous, nous sommes des businessmen. D'accord? Les petites bagarres, d'accord, c'est amusant, mais aux yeux de la population, il faut que nous soyons des gens sympathiques, avenants. Exactement. C'est ça que je veux. Bon, en tout cas, pour un premier temps, il faut que les gens soient avec nous, plus qu'avec les voyous de l'os. On est bien d'accord. Et je crois qu'on peut inverser la tendance, d'accord? En tout cas, nous travaillons pour faire ça. Est-ce qu'il y a des questions, des choses que vous voulez dire? C'est bon pour moi. Ça va, part, c'est bon. Non. Mais si vous pouvez juste parler plus fort, je suis un peu loin. Fallait demander plus tôt. Fallait le dire au début. Mais j'allais pas vous interrompre, mais j'entendais, je me concentre. D'accord, mais écoute, je demandais s'il y avait des questions ou des choses à dire. Franck, tu as des questions ou des choses à dire? Non, je veux juste qu'on parle plus fort, mais c'est bon, merci. D'accord, je veux aussi faire juste un point avec qui connaît qui travaille avec qui, les gangs, tout ça, pour savoir qu'est-ce que c'est les relations avec les gens autour. D'accord? Alors, on peut commencer peut-être par Yon. Avec qui est-ce que tu travailles pour la drogue, pour les armes, pour savoir à peu près? Bah, pour l'instant, moi, comme l'autre, ça n'a pas changé depuis la dernière fois, donc toujours pareil, Bison Fumé, Léonie, et pour l'instant, plus de nouvelles d'Léonie. Comment plus nouvelle O'Neill, ça veut dire quoi?